Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à comment drafter un chaman en arène. Alors cette vidéo s'inscrit dans un vaste projet de tuto basé sur l'arène où il y avait deux tutos, partie 1, partie 2, sur les conseils majeurs pour l'arène et ensuite je vais faire de ces tutos par classe. Alors voici aujourd'hui on est là sur le chaman. pour rappel, on est au niveau de la ligue des explorateurs. Si vous n'avez pas vu les vidéos si vous voulez vous rendre sur un autre tutoriel d'une autre classe, vous retrouverez tous les liens des tutos à la fin de cette vidéo. Donc là on est parti, on veut drafter un chaman et d'abord regardons un peu les cartes qu'a le chaman et quelles sont celles qui en arène ont vraiment une plus- value très forte. Avant de partir sur quelles sont les bonnes cartes, quelles sont les meilleures cartes, il ne faut pas oublier que le chaman a une mécanique très particulière, c'est la mécanique de la surcharge. Alors qu'est-ce que c'est que la surcharge C'est ni plus ni moins qu'une mécanique de crédit. C'est-à-dire on paye ses sorts à crédit. Alors si je prends par exemple le coup de l'éclair, c'est un de mana, donc c'est très efficient. Et le, le, le tour d'après, bah, on va être obligé de payer encore un de mana. C'est comme si l'éclair, en fait, c'était un sort à deux de mana. On peut voir que ça ressemble plus ou moins à un éclair de gif chez le mage. Euh, sauf que c'est à crédit. Donc ça permet vraiment, de, sur un tour, de clean le board et même de le euh, renflouer. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Il va bien falloir utiliser cette mécanique de surcharge avec intelligence. Maintenant, partons sur les euh, différentes cartes. Alors, la guérison ancestrale, c'est très très mauvais. Le puissance totémique, c'est très très mauvais aussi. Euh, déjà, c'est pas utilisé en ladder, je vois pas comment en arène on va pouvoir l'utiliser. La croc croc, c'est une des meilleures cartes du chaman. vraiment à prendre en top card. L'éclair, c'est une bonne carte, une très bonne carte aussi. Euh, un, voilà, 3 de dégâts pour un mana. La fourche d'éclair, la fourche d'éclair, moi je trouve que c'est plutôt une bonne carte. Euh, alors après, je la drafterai pas euh, en trop d'exemplaires parce que la surcharge est vraiment très élevée. L'orient givre, c'est assez mauvais. Pourquoi Parce que ça gèle, et bon, le pouvoir de gel n'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie. Alors, au contraire de l'Orient Terre, qui lui a un silence, ça peut être intéressant. Donc cette carte est plutôt, plutôt pas mal. Euh, c'est pas la meilleure, mais c'est plutôt pas mal. Alors après, il faut éviter d'en avoir trop. Le Diable de Poussière, c'est une catastrophe. Ça a un PV, et en plus, ça vous surcharge de 2, donc surtout pas. Le Truc de tunnel ça sera beaucoup moins fort qu'en construit. Pourquoi Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir dans son deck beaucoup de surcharge. Donc... Je dirais que c'est une carte euh, potable. Euh, c'est pas la meilleure carte. Après, ça reste un tour 1. Donc euh, si vous avez besoin de tour 1, ça peut le faire. Euh, voilà. La hache de Ford of Foo, c'est une très très bonne carte. Ok, ça, une surcharge, mais ça sape 3 fois à 2. 3 fois quand même. Donc c'est ça qui est important. Le crépitement, c'est une bonne carte aussi. Euh, L'esprit ancestral, c'est très très mauvais. Le fury des vents, c'est mauvais aussi. Euh, on n'en veut pas. L'Orient de lave en arène, ça va vraiment pas être très très bon. Il euh, faut vraiment que vous ayez un deck avec que de la surcharge pour le prendre, et encore. Donc c'est pas génial, hein, pour 2 de mana, ça donne 2 de dégâts, c'est pas top top. Réincarnation, c'est pas génial non plus. Savoir ancestral, Savant ancestral, c'est euh, de la pioche. bon La pioche, c'est toujours intéressant en, en, en arène. Après, c'est vous piochez deux cartes pour une surcharge de deux. C'est comme si vous piochez qu'une seule carte, parce qu'à la place de piocher l'autre carte, vous auriez pu piocher celle-ci. Euh, ça une surcharge de deux, ça coûte deux, ça fait quatre. Ça fait un peu beaucoup. Je, donc je trouve que c'est pas une très bonne carte à, à bannir, à prendre, que si vraiment à côté, vous avez que des faux follets. Le golem totinique, c'est un tour 2 qui est, qui est plutôt solide, très bon. Euh, ça peut même faire l'équivalent en tour 3, c'est une 3-4 pour 3, hein, l'équivalent. Donc c'est très solide, c'est un très très bon tour 2. Totem de vitalité, non. Totem langue de feu, très très bon. C'est très très bon. Euh, c'est très fort. C'est trop trop fort. Par contre, vous n'allez pas le jouer de tour 2. C'est clairement pas un tour 2. Ça, c'est un tour. Euh, c'est comme un sort en fait. Hein. Vraiment, il faut le considérer. Le Zapomatic, c'est une bonne carte. Si l'adversaire ne la gère pas, parfois ça peut vraiment mettre beaucoup de dégâts en burst. Euh, donc ça reste une. Mais euh, ce n'est pas une super carte. Donc c'est voilà, un tour 2 euh, tout à fait correct. La masse de puissance, c'est une très bonne carte. En plus, si vous avez la chance d'avoir un BK euh, et que vous puissiez comboter votre, euh, le RAL d'agonie, c'est énormissime. Après, même si sans RAL d'agonie, ça, euh, ça tape deux fois à 3 et c'est quand même déjà vraiment bien. Destruction élémentaire. Or, destruction élémentaire, je ne l'ai pas hein, malheureusement, ça inflige 4 à 5 points de dégâts à tous les serviteurs. Et ça, ça coûte 3 plus un crédit de 5. Est-ce que c'est bien Oui, c'est très bien. Ça décline un board, c'est un truc de malade. Et en plus, même si la surcharge est énorme, imaginez que vous êtes euh, un peu avancé, c'est-à-dire vers les tours euh, 7, 8, et que vous jouez c'est un peu comme si vous jouiez un flamestrike du mage hein, finalement, sauf qu'il coûte 8 mais qu'il peut mettre 5 de dégâts, sauf qu'en plus vous êtes capable de, de mettre du board en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple au tour 8, vous pouvez faire destruction alimentaire, donc vous clean le board adverse et en plus, vous êtes capable de mettre euh, bah, je sais pas, un yeti par exemple un tour 4, et ça c'est monstrueux parce que déjà, vous impactez le board tout de suite donc l'adversaire n'a plus d'armes et en plus il se retrouve à défendre. Donc ça c'est très fort. Après ça reste une épique donc c'est pas facile à drafter. Si vous en voyez une, allez-y quoi. Double vue, c'est pas terrible. Hein, parce que bon, ça réduit un cours mana, autant avoir directement la carte qui coûte euh, 3 de mana, donc bon, c'est pas terrible. Non, non, c'est même nul. C'est nul. Esprit Farouche. Esprit Farouche, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, ça permet euh, de mettre 2 taunts, de protéger ses créatures. Ça une surcharge de 2, hein, mais bon, ça reste une bonne carte. Explosion de lave, c'est une 5, 5 pour 5, c'est une carte normale. Hein, c'est pas super efficient, hein. 5 points de dégâts pour 5 de, fin, 3 plus 2. C'est pas énormissime, mais ça reste euh, normal. Le maléfice, c'est une très très bonne carte de défense. C'est un peu le, comme le, le mouton du mage, donc c'est plutôt très très bien. C'est un des seuls, euh, bah c'est le seul rimovol euh, hard removal que peut avoir le Chaman. La tempête de foudre, c'est une rare, et ça, c'est la rare que vous voulez quand vous êtes en arène, parce que c'est de là où, euh, si vous avez vu mes précédents tutoriaux, vous verrez que j'explique que les AoE, c'est la vie. Donc la tempête de foudre, c'est la vie. Vague de soins, ça soigne, non. On n'en veut pas, c'est pas terrible. Euh, élémentaire délié, c'est bof, c'est un tour 3 bof. Euh, Roi totémique, c'est un tour 3 euh, qui peut faire des choses, c'est moyen. C'est pas extraordinaire, c'est moyen. On préfère avoir un char à araignée à la place de ça. Totem vague de mana, j'en parle pas, c'est très nul. Marteau de charge. Alors, est-ce que le marteau de charge, c'est fort J'ai envie de dire euh, oui et non. Oui et non, c'est fort. Euh, parce que c'est vrai que votre pouvoir héroïque qui affiche 2 points de dégâts, c'est plutôt, plutôt intéressant. Après, il faut taper 4 fois. Euh, ça tape 4-2. Euh, ça coûte 4 de mana. Donc, euh, bon, à drafter, euh, pas en top carte, en, en carte normale. quoi. faut voir ce qu'il y a à côté. Appel des ancêtres, non, surtout pas. Euh, le shaman condrune, j'aime pas du tout. Euh, ça a 50 chances de faire n'importe quoi. Ça a une surcharge, c'est qu'une 5-4 pour 4. Autant avoir un Yeti pour, pour 4 et c'est une rare. Donc, bon, bof. Le destructeur garde du feu, ça c'est une très très bonne carte euh, du chaman, ça peut devenir une 6-6, voire une 7-6, euh, donc c'est monstrueux. Donc ça c'est très fort, c'est un, un des tours 4 que vous voulez, même si ça a une petite surcharge de 1. Élémentaire grondant en arène, euh, c'est pas terrible. Le, le grave totem Dranei, c'est pas terrible non plus, enfin, c'est très mauvais même. Euh, le murloc, n'en parlons pas, c'est mauvais. Le parlement. Le par le vent, c'est pas terrible non plus. Il faut avoir une carte sur le board à, qui puisse avoir une plus-value avec la furie des vents. Donc, la, la probabilité que ça arrive, c'est assez rare. Le marteau du destin, oui, c'est une arme et les armes, c'est la vie. Donc, c'est très très fort. En plus, ça, 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 la furie des vents, c'est euh, ouais, fort. Après, faites attention si vous avez un marteau du destin. Euh, Peut-être qu'il vous faudra un peu de heal dans votre deck parce que vous risquez de prendre beaucoup de dégâts. Fury Sanguidaire, je pense que c'est une bonne carte à avoir dans son deck en arène. Peut-être pas en avoir deux, ça ferait vraiment beaucoup, mais en avoir une ça peut être intéressant. L'élémentaire de terre. Alors, l'élémentaire de terre, c'est une 7-8 pour euh, 5 3. Pour 8. Ce n'est pas des stats énormissimes. C'est un peu euh, comme le, la 8-8 tonnes du, du, du druide. Donc ça reste quand même une certaine solidité. Honnêtement, si vous mettez à tour 5 et que vous avez un board à peu près équivalent, les 8, il va falloir les passer. Donc ça, ça ne va pas être facile, ça va demander beaucoup de ressources à l'adversaire. C'est un peu à double tranchant, je pense que ça reste quand même une bonne carte. Euh, Ce n'est pas la meilleure, mais ça reste une carte euh, convenable. Le vaillant dépitant du tonnerre. Alors moi, j'aime beaucoup cette carte, même si pour 5, ça reste qu'une 3-6. Euh, en fait, c'est une carte que vous jouerez qu'au tour 7. Hein, parce que vous n'allez pas poser une 3-6 pour 5, c'est impossible. Vous la poserez au tour 7, ça fera une 3-6, puis ça donnera plus de d'attaque à un totem. C'est pas monstrueux, c'est une carte qui peut aller dans certains decks. Regardez à peu près comment est votre deck, ça peut le faire, mais c'est pas une top carte, ça reste une carte euh, agréable, mais euh, c'est pas fabuleux. L'élémentaire du feu, c'est une des meilleures cartes du chaman. La meilleure carte, c'est en plus une carte de base. Donc ça arrive sur le board, ça met 3 de dégâts, vous imaginez, c'est monstrueux. Donc, ça c'est génial, vous en voulez absolument. Le de Brume, c'est une légendaire, ça va. Il y a des meilleurs légendaires. ça, non, hein, bien sûr. Neptulon, ça reste plutôt pas mal en arène. Ça reste plutôt pas mal. C'est une 7-7, ok, ça donne surcharge, ça vous donne pas mal de murlocs, ça vous fait d'un peu le board. Ça reste, euh, reste correct. À la c'est très fort. La c'est une très bonne carte euh, d'arène. Euh, ok, ça coûte un peu cher, mais bon, Fury des vents, Charge, Bouquet des vins, Provocation, bon voilà, ça fait beaucoup de choses qui font que ça reste une bonne carte, même si ça, ça tape K3. Voilà pour la revue des cartes. Donc, si je fais un résumé, quelles sont les cartes que je veux absolument En général, je vais vouloir avoir dans mon deck L'Arme Croc-Croc, Totem Langue de Feu, Tempête de Foudre, destructeur garde du feu et élémentaire de feu. Si je pouvais avoir deux ou trois élémentaires du feu, je serais le roi du pétrole. Voilà. Et euh, j'ai oublié bien sûr des armes. Si je pouvais avoir une des trois armes, ça serait bien. Donc je dirais marteau du destin celle-là moins. Hein. Euh, mais si je pouvais avoir la masse de puissance ou l'âge euh, ou l'âge de Ford je serais très très bien. Alors je vous propose tout de suite d'aller en arène pour faire un premier draft et voir ce que ça donne. Allez, on sélectionne Tral. Oh, oh, oh d'entrée de jeu, euh, c'est vraiment des super cartes. Alors la tempête de foudre, la masse de puissance, c'est vraiment des cartes qu'on a envie d'avoir. C'est vraiment deux super cartes. Après, la tempête de foudre, c'est vraiment la meilleure carte du chaman. Donc allons-y, on prend la tempête de foudre. Et ça, c'est déjà super. Oh, une épique. Bon. On n'est pas verni, honnêtement. Le mécano amplificateur, c'est pas terrible. Euh, donne à vos autres serviteurs Furie des vents, Provocation, un bouquet divin. Euh, double vue, je ne suis pas méga fan non plus. Euh, L'ascenseur des nagas, surtout pas en arène. Je, le mécano, j'aime vraiment pas parce que pff, le problème du shaman, c'est que ça a des totems, il y en a rare attaque. Donc le, je peux avoir plein de créatures, mais bon, ça ne va pas faire grand-chose. pas fan, je préfère. Voilà, je prendre, je pense la double vue, même si je ne suis vraiment pas convaincu par ce pic. Euh, je ne suis vraiment pas convaincu. Ok, donc Nain Sobrefer, Archimage, patriarche de l'Or argenté. Le Nain Sobrefer, c'est une des meilleures tours 4, un des meilleurs tours 4. Vous pouvez, je le dis, dans mon tuto sur comment drafter en arène, tout court. Donc allons-y. Ici, on se retrouve encore avec des créatures, euh, des petites créatures. Donc je vais avoir le choix entre l'Archimage, la Sentinelle et le chasse marie murloc Je vais choisir la Sentinelle parce que je trouve que c'est plutôt une bonne carte, sachant que j'ai pas mal de tokens. Je suis capable de faire des tokens, donc je vais pouvoir peut-être faire... Trade de la sentinelle et euh, rebooster un de mes totems, ça qui pourrait devenir une 3-5, euh, donc ça pourrait venir, devenir intéressant. Donc la sentinelle, je vais prendre ça. Ensuite, on propose un Yeti, un Jom Gnome, même si le c'est très très fort, pour moi je préfère avoir des tours 4, ça vient plus tôt, c'est vraiment plus solide et le Yeti c'est un des meilleurs tours 4. Ok, donc là on n'a pas trop trop de choix, le Long Voyant c'est très nul, le Murlac c'est très très nul, donc prenons le Tigre. Oh là là, champion, Fossoyeur, robot de soin antique. Donc, le Fossoyeur, c'est très mauvais. Le Robot de soin Antique, ça peut le faire dans certains decks, si on a beaucoup d'armes, par exemple, sur le Shaman, euh, ou si on est des voleurs, ça peut vraiment avoir le coup d'avoir un petit Robot de soin Antique si vraiment on tape beaucoup avec son arme. Mais là, on a le Champion de Mukla, le pouvoir héroïque du Shaman, c'est de faire des tokens. Donc, on va pouvoir sûrement euh, faire une value euh, intéressante de ce champion. Donc, je pense que le Champion de Mukla est un très bon choix. Bon, le draft est plutôt intéressant, on nous propose là euh, un contrôleur mental et un défenseur d'Argus. Alors Argus c'est un demi meilleurs tour 4, c'est vraiment super en Après le contrôleur mental, ça te permet de faire des games. Donc il euh, y a vraiment une hésitation. L'œuf de dragon, j'en parle pas, c'est plutôt mauvais. Euh, le contrôleur mental, après, que ça peut retourner des games. Euh, après, avec ce deck, je pense vraiment avoir un impact sur le, le board. C'est-à-dire que c'est plutôt, je vais essayer de mener la danse. Donc, je vais plutôt partir sur un défenseur d'Argus que je pourrais booster mes tokens. Je pars toujours sur le principe que je suis un chaman et que je vais avoir des tokens. Et je pense que le défenseur d'Argus va être plus fort. Enfin, je rentabiliserai mieux. Okay. là on nous propose un guetteur d'argent qui est, qui est vraiment pas fou. Le champion de Mogor, c'est assez nul parce que pour 6 ça fait n'importe quoi. Et en plus ça a que 5 de vie. C'était une 5-8 encore. Et on a le commissaire Priseur qui est une bonne carte. Par contre, il nous faudrait des sorts. Là, j'ai pas beaucoup de sorts euh, bas coût. Il me faudrait un éclair, des choses comme ça. Bon, je vais plutôt partir sur le Commissaire Priseur. Euh, mais euh, voilà, je suis pas fou pour l'instant. Ok. Donc là. On nous propose euh, donc l'explosion de lave, qui est un sort correct. Le exercice c'est plutôt nul. Et euh, l'esprit farouche, qui est une très bonne carte d'arène parce que ça a double taunt, même si ça a de la surcharge. Donc allons-y sur l'esprit farouche. Ok, donc, quand on vous propose un déchiqueteur piloté, c'est un peu très difficile de euh, dire non. C'est un peu comme quand on vous propose un Yeti, vous ne dites pas non. Donc là, en fait, j'ai beau regarder un peu à côté. Il n'y a pas les cartes les meilleures du monde. Euh, même si les cuillères c'est un très bon tour 1, hein. euh, les monteurs d'Elier c'est plutôt normal, même si j'ai pas mal de surcharge dans le deck ça pourrait le faire, mais le déjecteur c'est trop fort. L'appareil, on a une décision assez simple, on a le chat araignée qui est le meilleur tour oh, 3, on n'a pas beaucoup de tour 3, euh, feu quoi. Alors là, une petite décision un peu compliquée. Euh, la missilière, je ne suis vraiment pas fan. Euh, pour l'instant, ça va être un peu tôt pour prendre la missilière. On pourrait prendre le jet maître brasseur et faire remonter certaines choses de notre deck. Mais euh, je ne vois pas ce qu'on pourrait vraiment remonter, mis à part le, le nain sombre-fer pour l'instant. Euh, donc je préfère prendre plutôt de la pioche, euh, la Masseur du butin, un tour 2 euh, que je jouerai tout seul de son côté, sans forcément avoir le crit-car qui remonte quelque chose. Donc, je vais plutôt partir sur la Masseur du butin dans un premier temps. Ah voilà, qu'est-ce que je vous ai dit Élémentaire de feu, pfff, élémentaire de feu, ah à la élémentaire de feu, voilà, direct. Donc là on nous propose des cartes. Le Nervi, qui est un très bon tour 5 que j'aime beaucoup. Par contre, euh, ce qui se passe c'est que j'ai déjà euh, 3 tours 5. Après la Sentinelle j'en ai déjà une, en avoir deux ça me semble un peu trop... Non, c'est beaucoup trop. Et après on propose la Fourche d'Éclair, un petit tour 1 qui permet de négocier l'early game que je n'ai pas du tout. Donc je vais plutôt pas partir sur la Fourche d'Éclair, euh, vraiment parce que j'ai pas d'early game. Là, on propose trois cartes. Euh, comme je suis parti vraiment dans une option de, je vais essayer de value mes, mes tokens. J'ai le champion de Mucla, euh, Je me dis que prendre le vaillant débutant du tonnerre, ça pourrait le faire. On pourrait faire quelque chose avec. Euh, vraiment, dans cette optique-là, je vais le prendre. Alors, on m'a proposé pas mal de rares, quand même. Hein. Depuis le début, je trouve plutôt intéressante. Euh, ce draft part bien, quoi. Donc euh, bon je regarde un peu ce que j'ai. Euh, j'ai beaucoup de tour 5, hein, quand même, ça, ça m'ennuie de le prendre. Mais je vais quand même le prendre. Je suis ennuyé. Ah elle est là. Donc là, la masse de puissance, hop, on se jette dessus à côté. C'est pas terrible, le chaman côte d'une. Et euh, le vaillant, j'en ai déjà un, c'est bien trop. La masse de puissance. Ok. Donc là, j'ai besoin de premier tour. J'ai le char de force qui est plutôt correct en late game. Mais bon, là, j'ai du late game. On verra plus tard. Ce que j'ai besoin, c'est du early maintenant, du tour 2. J'en ai qu'un. Donc il m'en faut absolument. Et le tracker goblin, c'est d'un des meilleurs tours 2. CF, mon tuto. Le tour 3, c'était de la merde. Euh, ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Le hache de foudre, je veux foudre. si j'en ai, je suis très content. Donc, euh, bah ouais. À côté, c'est bof. Donc, euh, go, go, go. Oh Alors là, le jeu me dit, euh, je vais te donner un choix cornélien. Parce que le minimage, c'est très mauvais, donc on ne regardera pas. Par contre, le marteau du destin, c'est très fort. Et le saccageur gangrené, ça peut vraiment faire des parties. On peut gagner avec un saccageur gangrené. On a 8-8 tour 5. Si la personne n'est pas capable de le gérer en face, c'est quasiment free win derrière. Si on arrive plus ou moins à faire une value. Après, euh, perdre des cartes, ce n'est pas fondamental. Tellement on va mettre une pression, on veut finir la game rapidement. Mais bon, je vais plutôt partir sur le marteau du destin. Euh, le marteau du destin me paraît plus solide. Euh, plus dans l'optique de ce que je veux faire de mon deck, c'est-à-dire éviter de perdre trop de cartes. Euh, on va partir sur le tour 2, parce qu'on a besoin de tour 2. L'arme croc-croc, on réfléchit pas. On voit une arme croc-croc, systématiquement, on va aller la prendre. Hein, en avoir deux ou trois dans le deck, ça ne me poserait aucun problème. En plus, on pourrait faire un combo avec le marteau du destin qui pourrait mettre 10 de dégâts dans un tour. C'est absolument monstrueux. Donc allons-y, quoi. Euh, OK, donc des tours 3, on en manquait un peu. Euh, là, on nous propose 3... Bon tour 3. Alors le clair du soleil brisé est un très bon tour 3 et le golem des moissons a un hop Alors comme je suis parti avec le champion de Mucla, que je suis parti avec le vaillant, je suis parti avec euh, le dire l'esprit farouche qui va mettre des tonnes, le défenseur d'Argus, il va me falloir des tokens. Donc avec tout tout ce déclat, euh, je pense que les tokens ça peut être intéressant. En plus je peux avoir le Nasombrefer qui, qui vient mettre un plus 2 pour faire un trade intéressant. Donc je, je pense que le j'arriverai à faire une meilleure value du golem des moissons plutôt que du clair du soleil brisé. Donc là j'ai un éclair ou la rampante. Euh, la fourche j'en ai déjà une, c'est bien trop. Donc je vais plutôt partir sur la rampante. Pareil, sur le même principe euh, que ce que j'ai dit avant, la rampante me paraît beaucoup plus solide parce que je veux des tokens, je veux pouvoir les booster avec les créatures que j'ai. Je pense que vraiment je pourrais faire des vies à même si l'éclair restait une très bonne carte aussi. Donc là c'est vraiment le, le deck qui me dit de le faire. Alors là, j'ai un choix un peu cornélien. Euh, j'ai beaucoup beaucoup de tour 5. J'ai beaucoup de tour 5. Euh, et euh, faire l'impasse sur le crash vase qui est un des meilleurs tours 5 c'est un peu dur par contre j'ai beaucoup 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 de surcharge dans mon deck j'ai euh, l'esprit farouche, la tempête de foudre, j'ai la hache de forge foudre qu'ai-je euh, donc d'autres, euh, marteau du destin j'ai pas un mal de, de surcharge et je pense que l'orient de lave j'arrive vraiment à faire une plus value dessus Tour 4, j'en ai peut-être déjà un peu trop, je regarde un peu ce que j'ai en méca, mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup de méca, donc je pense que je vais partir plutôt sur le, le sergent grossier, pareil, dans l'optique des tokens. Ok là on nous propose un gnombe, ouais, la monte c'est bof, on a le Crépitement, Le crépitement, c'est très fort, prenons le Crépitement. Oh la légendaire Doré Non, je déconne. Alors, on nous propose 3 légendaires. Qu'est-ce que je pense de ces trois légendaires euh, L'Heroï, je vais éviter. Euh, je vais éviter parce que euh, je pense que c'est la plus faible des trois. Euh, vraiment, donner deux dragonnets à l'adversaire, je n'ai pas vraiment envie de ça. Et puis, moi, je ne suis pas un deck euh, aggro-rush. Plutôt un deck contrôle, là. Euh, vraiment, euh, prise de board avec des petits tokens à droite à gauche. Illidan pourrait être fort. Très, très fort. Je pense que c'est la meilleure. Illidan, je pense que c'est la meilleure. Euh, dans mon deck, par contre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tour 5, tour 6, j'en ai 2 deux, et il me manque des tours 3 à jouer. Parce que là, pour l'instant, côté de tour 3, j'ai le Tracker Goublin. Euh, non, je ne même pas. Tour 3, j'ai Esprit Farouche, Chat Araignée, Golem des Moissons. J'ai vraiment un manque de tour 3. Je pense que je vais plutôt partir sur le Roi Mucla, même si je pense que Roi Mucla, filer deux bananes à l'adversaire, ça m'ennuie un peu. Ça me, ça m'ennuie un peu. Mais c'est vrai que voilà. Ça m'ennuie. Ok. On propose éclair, le Briseur ou le dragon infamé. Alors, les deux tours 4 sont très très forts, mais je n'ai pas beaucoup d'early de, game. Donc, je vais plutôt prendre l'éclair pour vraiment être capable de gérer l'early game euh, sans poser de créature. C'est-à-dire euh, vraiment au début en gestion, gestion avec euh, les, 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 les armes, avec euh, la fourche, avec l'éclair, avec les taunts. Vraiment gérer le, le départ de l'adversaire et après vraiment moi prendre l'ascendant avec mon euh, mid et mon late game. Ok, le contrôleur mental tout à l'heure on l'a pas pris. Je pense que là le jeu me dit euh, t'avais fait une erreur, faut que tu le prennes. Alors voilà, à côté on regarde même pas le robot, c'est tellement nul. Et le golem arcanique en arène ça sert à rien. Voilà. Et voilà, le deck est terminé. Donc euh, qu'est-ce que je pense de ce deck qu Ce que j'avais dit avant quand j'ai fait le draft j'ai dit, si je me retrouvais en arène et que j'avais une arme, une tempête de foudre, un élémentaire de feu et une croc-croc, je serais heureux. Bon, je pense que j'ai été encore plus exaucé que ça, parce que j'ai en plus l'Esprit Farouche, j'ai le Marteau du Destin, j'ai euh, euh, le Contrôleur Mental, j'ai du Défenseur d'Argus. Donc je pense que clairement que c'est un deck qui peut faire 12 victoires. C'est un deck à 12 victoires. Il faut y croire, on peut y aller. J'espère qu'on va le faire. J'espère qu'on va le faire. Voilà, ce tuto arrive à son terme. J'espère que vous avez trouvé les informations que vous étiez venu chercher en regardant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Juste après, vous pourrez retrouver l'intégralité des liens vers le tuto arène part 1, part 2, sur le draft en général, sur comment aborder une arène. Et vous trouverez aussi les autres liens vers les autres classes. Bien entendu, je vais continuer cette arène avec ce draft-là. Ça va faire partie d'un nouvel épisode de mes séries en arène avec le chaman. Vous retrouverez le lien juste après aussi. Voilà. A très bientôt sur la chaîne. Merci. N'hésitez pas à le partager. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Salut.